Alléluia. On va continuer dans cette. Je ne sais pas quand je vais arrêter. À chaque fois, je dis il faut que j'arrête parce qu'il y a une série trop longue. Ça. Mais c'est tellement merveilleux. Vous savez, en ce moment, ça a été le 1er mai. C'est le temps du muguet. Et c'est. Quand je vais au potager, dans l'allée, il y a plein de gens qui ont du muguet. Et cette odeur, quand on marche dans l'allée, là, cette odeur qui monte et l'odeur des fleurs qui commence à éclore. C'est tellement agréable. Et ce titre de cette série, Belle et parfumée. Je pense que c'est tellement agréable aux yeux du Seigneur, aux narines du Seigneur. Une église belle et parfumée. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ne sous-estimons pas qui nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu sauvés par grâce. Nous faisons monter un parfum. Vous savez, quand Dieu respire ton odeur, c'est un parfum agréable. Est-ce que tu réalises ça, Jésus ? Quand Dieu respire ton odeur de ses enfants, il respire un parfum agréable. Waouh ! Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Surtout si tu as envie de louer le Seigneur, ne te gêne pas. Fais-le avec tout ton cœur et prends ta liberté. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. La deuxième partie de cette série, ce sera que l'huile ne manque point sur ta tête. Nous sommes toujours dans la première partie. Et depuis quelques semaines, nous parlons de cette église belle et parfumée qu'est l'église de Jésus-Christ. Nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs églises. Il y a l'église du diable. Il y a d'autres mouvements qui ont leurs églises, leurs rassemblements. Et puis il y a celle dont Jésus a dit à Pierre sur cette déclaration que tu viens de faire, « Je bâtirai mon église ». Et nous parlons de cette église, l'église de Jésus-Christ. Et cette église a quelque chose de particulier. L'apôtre Paul nous dévoile une partie de ses richesses de l'église. Et il parle aux anciens de l'église et dit « Prenez donc garde à vous, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et nous allons nous attarder un peu ce matin sur cette dernière phrase, « qu'il s'est acquise par son propre sang. » Quand nous parlons de cette église belle et parfumée, celle dont nous faisons partie, celle dont nous sommes les membres, nous ne parlons pas d'un groupement religieux. Nous ne parlons pas d'une troupe d'hommes et de femmes qui se déguisent comme pour aller au carnaval. Nous ne parlons pas d'une secte qui se rassemble autour d'un gourou ou d'un faux prophète. Nous parlons d'une multitude, de cette église que Jésus s'est acquise par son propre sang. Nous parlons d'une multitude d'hommes et de femmes qui étaient sous la condamnation du péché, sous l'emprise du diable, liés par toutes sortes de chaînes et d'addictions, qui étaient destinés à l'enfer éternel, mais pour qui Jésus a payé un prix que personne d'autre ne pouvait payer. Il s'est acquise cette église par son propre sang. Amen. 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 Est-ce qu'on peut frapper dans nos mains pour donner la gloire au Seigneur? Si nous nous posons parfois encore des questions pour savoir pourquoi le Seigneur désire que son Église soit sanctifiée,
qu'elle soit mise à part, qu'elle soit séparée du monde, qu'elle soit belle et parfumée, c'est simplement parce qu'il a payé un prix qui est hors de prix. Il a donné sa vie pour son Église. Et ce prix n'a pas de prix. Et je crois vraiment, à cause du prix que Jésus a payé, c'est-à-dire à cause de sa vie qu'il a donnée, il est en droit de réclamer à son Église qu'elle soit sainte, qu'elle soit séparée, qu'elle soit mise à part, qu'elle soit engagée à son service. À cause du prix qu'il a payé, son propre sang. Amen. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que Jésus nous a acquis par son propre sang sur la croix il y a 2000 ans. Et je pense qu'il serait bien ce matin si nous pouvions mettre cette phrase à la première personne du singulier. Si je suis ici ce matin, c'est parce que Jésus m'a acquis par son sang sur la croix il y a 2000 ans. Si moi, je suis ici ce matin, est-ce que chacun de nous, nous pouvons affirmer ça ce matin? Est-ce que nous pouvons le proclamer? Si je suis ici ce matin, c'est parce que Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Vous savez, le salut de Jésus à la croix, c'est un salut universel, mais c'est un salut personnel, individuel. Et il faut vraiment réaliser ça. L'Église est composée d'hommes et de femmes individuels. Chacun de nous, le prix qui a été payé à la croix, c'est à cause de nous. C'est à cause des autres. Oui, mais ça, c'est pas mon problème. C'est à cause de moi. C'est à cause de mon péché. C'est parce que j'allais en enfer. Alors Jésus a payé le prix pour moi. Je crois sincèrement, Église. Et ça, c'est ancré au plus profond de mon être. Que quand nous aurons vraiment réalisé le prix que Jésus a payé personnellement, et quand nous allons mettre dans notre esprit, Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu as fait ça. Alors nos vies vont être tellement différentes. Nos engagements avec le Seigneur vont être tellement différents. Notre fidélité avec Jésus va être tellement différente. Parce que lui, il a été jusqu'au bout. Il a payé le prix, il s'est acquise son Église par son propre sang. Waouh! Alléluia! 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 Écoutez ce que j'ai écrit là. Jésus n'est pas un pote qui nous refile un coup de main quand nous sommes dans les soucis. Il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme et qui a payé le prix de ma condamnation. Et ça, c'est tout à fait différent. Amen. Laissez-moi vous dire ça, Église, ce matin. Jésus est certainement ton ami, mais il n'est pas ton pote. Le prix qu'il a payé est bien trop cher pour que tu le considères comme ton pote. La Bible dit qu'il était dans son ciel de gloire. Il était assis sur son trône et il est descendu sur la terre. Il s'est fait homme. Il a pris la même condition que chacun de nous et il a donné sa vie. Il a donné son sang pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il avait complètement, pleinement compris cela que Paul déclare à l'église des Philippiens, en Philippiens 1, 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors je ne vais pas parler de mort ce matin.
Je veux juste parler de vie. L'apôtre Paul dit, car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Est-ce que nous pouvons nous poser cette question ce matin? C'est quoi ma vie? C'est quoi la priorité de ma vie? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que ce sont mes enfants? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est mon compte en banque? Est-ce que c'est mon jardin? Est-ce que c'est mon poulailler? Est-ce que c'est mes lapins? Est-ce que je ne sais quoi? C'est quoi ma vie? Oui, oui, mais vous savez, il y a des gens qui vivent que pour les animaux. Hein. J'ai rien contre les animaux, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour sauver un animal. Est-ce que tu es prêt déjà à donner ta vie à Jésus? Lui qui a payé de sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Votre Paul dit, Christ est ma vie. Est-ce que c'est une réalité dans nos vies, ça? Est-ce que Christ est ma vie? Ou est-ce que c'est seulement de temps en temps? Est-ce que je vis pour Jésus 24 heures sur 24? Ou est-ce que c'est seulement de temps en temps? Pour que Paul puisse affirmer ça, Christ est ma vie, il a compris quelle était l'importance, la profondeur, la richesse, la Bible parle de la hauteur, la profondeur, la largeur et tout ce que vous voulez du sacrifice qui a été payé à la croix. Et certainement que l'apôtre Paul, pour pouvoir affirmer Christ est ma vie, il avait vraiment compris ça. Amen. Et je crois que pour chacun de nous, Église, pour que nous puissions arriver à proclamer ça, Christ est ma vie. C'est quand nous aurons vraiment, vraiment réalisé le prix qui a été payé sur la croix. Amen. 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 C'est pour ça que Jésus veut que son Église soit belle et parfumée. Parce qu'il est jaloux de son Église. Parce qu'il a payé un prix tellement élevé que maintenant il est jaloux de son Église. Il veut qu'elle soit belle et qu'elle soit parfumée, qu'elle soit séparée, qu'elle soit mise à part, qu'elle soit sanctifiée, tout simplement qu'elle lui ressemble. Wouh! Alléluia! Alléluia! Si vous avez envie de crier, ne vous gênez pas. Hein. Si vous avez envie de frapper dans vos mains, ne vous gênez pas. Si vous avez envie de vous lever, donnez la gloire au Seigneur. Alors faites-le, prenez votre liberté ce matin. Christ est ma vie. Alléluia. Je vois des gens pour l'instant pour qui leur vie c'est les études. Pour d'autres, c'est la petite copine qu'on vient de rencontrer. Vous savez, quand Jean-Nicole et moi, alors je sais, ça fait longtemps, ça fait 40 ans de mariage, plus de 2 ans, ça fait 42 ans. 42 ans. Quand on a décidé que, enfin, en fait, quand on s'est avoué qu'on s'aimait, on le savait, mais on ne se l'était jamais dit. Quand on s'est avoué qu'on s'aimait, on a pris une décision. Proverbe 37, 4 ou 34, 7. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Nous avons décidé que le chemin que nous allions parcourir ensemble, nous allions le fonder là-dessus. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons décidé que Christ devait être notre vie. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans l'Épître aux Romains, Paul déclare ceci, Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je me suis posé cette question, comment Paul peut-il être aussi certain de ce qu'il affirme? Il dit, car j'ai l'assurance. Amen. Quelle assurance? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Séparer de quoi? De qui? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus nous a tellement aimés il y a 2000 ans qu'il a donné sa vie, que rien ne peut nous séparer de son amour. Il a payé un prix trop élevé et jamais il ne va renier son amour. Jamais. Alléluia. Et c'est parce que Paul a compris ça qu'il dit Christ est ma vie. Amen. Alléluia. 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 Paul a compris qu'il est impossible de comprendre comment Jésus a été capable de nous aimer si fort au point de donner sa vie pour lui, pour toi, pour moi. Et je crois que notre cerveau, notre esprit humain est trop limité pour comprendre un amour si grand. Pour les plus anciens, vous connaissez ce chant. I don't know why Jesus loves me. Je ne sais pourquoi Jésus m'aime, ni pourquoi il prend soin de moi. Je ne sais pourquoi il donna sa vie à la croix, mais je suis heureux parce qu'il l'a fait. Même si je ne comprends pas l'amour de Jésus, qui est tellement grand, l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Paul déclare encore ceci. Il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Voilà la réalité de cette église belle et parfumée que Jésus s'est acquise au prix de son propre sang. Amen. L'apôtre Paul dit, soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Amen. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans notre vie, nous appartenons au Seigneur et nous devons mettre en pratique ces paroles qu'on vient de citer il y a quelques instants. Christ est ma vie. Amen. Et quoi qu'il se passe dans ma vie, soit que je vive, soit que je meurs, j'appartiens au Seigneur qui a payé le prix de mon rachat, le prix de son sang à la croix. Amen. Amen. Alléluia. 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 Ma vie appartient à Jésus. C'est ça que ça veut dire, Christ est ma vie. Ma vie appartient à Jésus. Amen. Vous savez, nos Bibles sont traduites un peu, en français en tout cas, pour chatouiller l'oreille. Parfois pour ne pas déranger nos consciences. Vous savez ce que dit la Bible? Elle dit que nous étions esclaves. Ce sont les mots littéralement utilisés dans la Bible. Nous étions esclaves du diable et maintenant nous sommes devenus esclaves de Jésus. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui appartient à un maître. Et si nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur, alors littéralement, bibliquement parlant, nous sommes son esclave. Ça veut dire que si Jésus nous demande quelque chose, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. Mais ce mot esclave sonne mal aux oreilles, hein. En 2018. On est en train de se battre pour abolir l'esclavage quel qu'il soit. Les femmes sont en train de se battre en ce moment, hein, pour abolir l'esclavage sexuel. Et puis la différence de parité, hein, le fait que les femmes pour le même travail gagnent moins que les hommes. Et je suis d'accord, elles ont raison. Elles ont raison.
Pourquoi une femme qui fait le même travail qu'un homme devrait gagner la moitié? Les sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Amen. J'espère quand même, je vous soutiens. Hein. Nous appartenons à Jésus-Christ à cause du prix qu'il a payé. Amen. Et vous savez, le chrétien, c'est un être bizarre. Enfant de Dieu, c'est un être bizarre. On a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, on veut bien que le Seigneur Jésus ait payé le prix à la croix pour pardonner, laver nos péchés, il a tout jeté loin derrière lui, il nous donne la vie éternelle, il vient nous chercher, mais on veut quand même continuer de nous appartenir à nous-mêmes. Seigneur, tu es mon Seigneur, je suis ton esclave, mais je fais ce que je veux. Hein? Alors, avouons quand même. Ça se passe souvent comme ça dans nos têtes. Toujours l'apôtre Paul. Il dit, j'ai été... Waouh. Vous savez, il y avait trois croix à Golgotha. Il y avait un brigand à droite, votre droite, un brigand à gauche, et Jésus dans le milieu. Il y avait trois croix. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Personne n'a vu Paul sur la croix. Et pourtant, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul dit, est en train de dire, ce Jésus qui a été crucifié à la croix et qui a payé le prix pour mes péchés. Alors là aussi, moi je suis crucifié à mon ancienne vie, à mon ancienne nature. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, il n'y a pas d'alternative possible. Le supplice de la crucifixion, la seule issue, c'est la mort. Il n'y a pas d'alternative. Chaque personne qui était crucifiée, l'issue, c'est la mort. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc la seule alternative, c'est la mort. Mais la mort de quoi? La mort de mon ancienne nature, la mort à mon ancienne vie, la mort à ma vie de péché. Amen. Yes. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yes. Wow. Amen. Hallelujah. 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 Si nous avions besoin, bien, si nous avions besoin d'une bonne raison pour nous séparer du monde. Ça, c'est tellement difficile. Vous savez, je suis conscient. Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi ce matin. Mais ce n'est pas important. Je suis conscient que le monde n'a jamais été aussi attirant qu'il ne l'est maintenant. Peut-être que 90% de ce qui se passe dans le monde ne vous plaît pas. Mais il y a certainement un petit pourcentage qui vous attire encore. Il y a des choses agréables qui attirent l'enfant de Dieu. Vous savez, si ce n'était pas le cas, j'entends, vous n'avez pas ouvert la bouche, mais j'ai entendu, hein. J'ai entendu, hein. Mais pasteur, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, le monde ne nous attire plus. Ah bon? Alors d'où viennent vos luttes et vos combats journaliers? Sinon de vos attirances pour le monde? D'où viennent mes luttes et mes combats journaliers, sinon de mes attirances pour ce monde? Si ce monde ne nous attirait pas,
ne nous attirait plus, il n'y aurait pas de combat, il n'y aurait pas de lutte. Alors soyons honnêtes, arrêtons de nous prendre pour des saints. Vous savez, vous pouvez me regarder, je n'ai pas d'auréole au-dessus de la tête, et je peux vous regarder, je vous regarde tous là, l'un après l'autre, je ne vois aucune auréole ce matin. Nous sommes jour après jour, des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Amen. Vous savez ce qui se passe, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a cet éternel combat entre la chair et l'esprit. La vieille nature et la nouvelle nature. Je ne sais pas pour vous, mais moi je dois me battre continuellement. Vous savez, il y a un truc... Tout le monde a Internet, enfin quasiment tout le monde a Internet. Quand vous allez sur YouTube, alors il y a toujours plein de trucs qui s'affichent en dessous. Des fenêtres avec des actualités. Un tas d'actualités. Et vous savez quoi? Ça c'est ma vieille nature. Il y a toujours au moins un reportage sur Johnny Hallyday. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. C'est vrai que Johnny, ça a été mon idole, mais ça n'est plus mon idole. Depuis tellement longtemps. J'espère de tout mon cœur qu'il est sauvé. Mais il y a cette vieille nature. Parfois, je suis occupé, je cherche des chants pour louer le Seigneur. Et puis, tac, au fond tard, on doit appuyer sur la souris. Et même si ce petit reportage ne m'intéresse pas, vous savez, parce que mon doigt a cliqué là. La prochaine fois que je reviens sur YouTube, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Parce que YouTube fait des choix pour moi. Et je dois me battre avec ça. Parce que je sais que la vieille nature... Vous savez, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Ma vieille nature, c'est une nature de bluesman, de rocker. Ma vie, c'était Johnny Hallyday. Avant Johnny, il n'y avait rien. Après Johnny, il n'y avait rien. C'était le rock'n'roll. J'ai grandi avec ça. Même quand j'étais marié, même quand j'allais à l'église, même quand je dirigeais la louange à l'église, j'avais toute la collection de Johnny à la maison. Et un jour, j'ai dû faire un choix. Je ne peux pas avoir deux idoles dans ma vie. J'ai dû choisir la bonne, Jésus-Christ. Mais il y a toujours cette vieille nature qui est là, contre laquelle je dois me battre régulièrement. Vous êtes déçu, hein, le pasteur. Hein? Non, je plaisante. Mais encore? Ouais. Alors, ma belle-fille qui applaudit, elle aime encore son beau-père, même si c'est pas le pasteur, elle aime son beau-père. Amen. Merci Seigneur. Donc je reviens. Si nous avions besoin d'une raison pour nous séparer du monde et vivre dans la sanctification, alors nous l'avons découverte. Cette église dont je suis membre, dont je fais partie, Jésus se l'est acquise par son propre sang. Cette église dont je fais partie, Jésus se l'est acquise par son propre sang. Si nous avions encore besoin de découvrir comment vivre, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen.
Hallelujah. Je vais terminer, Église, ce matin. Pour tous les chrétiens du monde, cette semaine, nous avons fêté l'Ascension. Il y a quelque temps, c'était Pâques, crucifixion, la résurrection de Jésus. Cette semaine, c'est l'Ascension. Le week-end prochain, nous allons fêter la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Pour certains, l'Ascension, surtout cette semaine, et en particulier pour les Français, c'est tombé pile poil pour avoir une grande semaine de congé. Et pour eux, l'Ascension, c'est juste ça. Ils ont pris congé toute la semaine, deux jours de récup, et voilà. Pour d'autres, l'Ascension, c'est juste une fête religieuse. Fête religieuse. C'est quoi pour l'Église l'Ascension? C'est quoi pour toi l'Ascension? On est toujours dans ce contexte de cette Église belle et parfumée. Dans Jean 14, Jésus a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. » C'est ça l'Ascension, Église. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Une place pour qui? Pour cette église belle et parfumée qui s'est acquise par son propre sang. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça l'Ascension, Église. Jésus est parti préparer une place pour cette église dont nous faisons partie, cette église belle et parfumée, que Jésus veut qu'elle soit son épouse et qu'il vient chercher. Il dit, lorsque j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ouh! Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on peut se lever, lui, ce matin? Alléluia. Alléluia. Jésus est parti. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Dans cette période que nous vivons maintenant, l'Ascension. Jésus est monté au ciel. Les disciples sont restés comme ça. Et les anges leur disent, mais quoi? Faut pas vous attarder là. Retournez à Jérusalem. Bientôt, il y a autre chose de meilleur pour vous. Il y a la Pentecôte qui arrive. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Jésus est parti préparer le festin des noces de l'agneau. Vous savez ce dont l'Apocalypse parle, ce grand festin des noces de l'agneau, où l'épouse, celle qui est revêtue d'une robe blanche et dont l'huile ne manque pas sur la tête, cette épouse va faire partie des noces de l'agneau. C'est ça que Jésus est parti faire. C'est ça l'Ascension. Il est venu nous préparer une place. Et la Bible dit, d'après tous les témoignages que nous avons et toutes les prophéties que nous avons, le Seigneur revient très bientôt. Cette place est quasiment finie de préparer et le Seigneur revient nous chercher. Alléluia. Alléluia. J'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Vous savez, je ne pourrai jamais oublier ce jour où je suis arrivé, c'était il y a 40 ans. Je suis arrivé dans la maison de mes beaux-parents. Et il y avait une jeune fille là, qui s'était préparée pour son futur époux. Elle était en haut, elle était bien cachée, et moi j'étais en bas. Et il y a un moment où on a dit, attention, elle descend. Et je me suis mis devant cet escalier, et j'étais tellement impatient, et mes yeux n'étaient pas assez grands pour la regarder, tellement elle était belle. Vous savez, ça c'est des moments que votre esprit enregistre et que votre cerveau ne peut jamais oublier. Vous avez vos yeux qui brillent, il y a presque des fleuves qui jaillissent là, tellement elle est belle. C'est cette épouse que Jésus vient chercher. Une église qui s'est préparée.
qui s'est préparée, une église qui s'est faite